Salut à vous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne de Le Gaming du Nord. Cette vidéo sera pour vous montrer les 4 parcours, les 4 courses casse-cou que j'ai pu traiter jusqu'à ce jour. Allez, je vous laisse tout de suite. Pour après cette intro pour cette toute nouvelle vidéo. Alors, nous allons commencer par 1, 2, 3, go. Allons-y pour cette course. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait, donc tu vas y pas étonner si je plante au bout d'un moment. Ça y est, je crois mon souvenir de film. Arme autorisée. J'avais autorisé les armes pour ce jeu-là, moi. C'est pour cela. Ça ira beaucoup mieux sur la radio. Ah oui, celle-là, je m'en souviens. C'est l'avant-dernière que j'avais créée. À chaque course que je vais faire, il aura juste un petit coup pour vous montrer les courses que j'ai prises. Ça vous semblera beaucoup moins long. Là c'est pas l'idéal, elle est... Ah bah prenez pas cette voiture car il pleut. D'une course plutôt tranquille. Je m'en doutais qu'elle allait prendre le truc. Un peu compliqué à passer, mais ça passe.
à la tourner un petit peu trop tôt. Ah, je vous déconseille de prendre cette voiture-là. Quel est celui que tu là? J'ai voulu prendre cette voiture-là pour essayer, mais elle n'est pas faite pour ce genre de course. Hein. Là, on arrive plus ou moins à la moitié de la course. On a déjà fait à peu près 47% de la course, de la route. Là, ça se voit qu'il a déjà arrêté de pleuvoir, le sol est déjà un peu plus sec et la voiture elle glisse déjà beaucoup moins. Donc si vous voulez refaire la course là, vous prenez le véhicule là, vous voyez qu'il y a un temps clair sur les paramètres de la course. Un tour sur cette course là, vous allez mettre entre 12 et 13 minutes, enfin, en temps d'affichage. Donc allez. Oh, sur cette course, sur la course là, j'aurais dit que 50 RP. On a des cascades après à la barbe. Ah, en plus, j'ai Kevin qui m'invite sur une section. Voilà quand on regarde son étroité. Son écran d'ordinateur. Vous pouvez m'excuser. J'ai fourché. Voilà. C'est-à-dire alors que je fais la vidéo, il est 20. C'est pas étonnant. Même ça, sur le sec, la voiture là.
on arrive à la fin de la course. Il reste même pas 10% de la course à faire. Là, on a fait plutôt gros, on a fait approximativement 90% de la course. Donc là, on arrive à la fin. Malgré que ça fait un petit moment que je ne l'ai plus fait, je m'en souviens quand même assez bien. Bonne mémoire visuelle. Alors lors de la création de la course là, j'ai même mis le point là. Dernier et hop, évidemment je suis premier, évidemment. Donc vous l'avez, je vous l'avais dit, entre 11 et 13 minutes de temps, donc c'est la moyenne. Donc là, moi, je vais vous dire à demain. J'ai une invitation de jeu par Kevin, donc je vais l'accepter. Au son, il va se demander si que je lui fais la tête. Donc, allez, je vous dis à demain pour c'est la suite. Bah, pour vous, ça sera tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo pour les trois dernières courses qui restent à faire. Allez, à tout de suite. Un jour plus tard. Alors là, on va faire la course qui s'appelle Urbexer 01. Pourquoi Urbexer? Parce que j'ai une autre chaîne où je pratique l'urbex et les enquêtes paranormales. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, à aller voir ma chaîne, bah, que vous voyez aux descriptions, Triateur, bah, Urbex World, qui est d'ailleurs une de mes chaînes YouTube où je pratique l'urbex et aussi de temps en temps des enquêtes paranormales en collaboration avec un autre enquêteur. Voilà pour la deuxième course de cette vidéo que j'y traiterai par moi-même, donc cette fois-ci il aura deux tours. Ça ira mieux sur la radio.
Ouais, ça va, je peux te plutôt pas mal. Hein. On va dire vite fait, hein. Ça, c'est pour une voiture qui dérape en combien. Tâche, je fais des poteaux. On va terminer le deuxième tour. Voilà, vous voyez, c'est plutôt une course plutôt assez simple. Je fais un peu celui un petit peu rallye. Ça va, j'ai quand même réussi à voir le... Il fallait voir. Celle-là, c'était une de mes toutes premières courses que j'avais créées. Ah ouais, madame. Oh là. Et voilà pour cette deuxième course de cette vidéo. Alors c'est reparti pour le retournage de cette course car j'ai planté au niveau de la prise de vidéo. Donc, vous m'excuserez, j'ai bugué à la première séquence de cette course, donc je la refais. Avoir un mal de chien, j'ai même pas réfléchi, je ne peux pas avoir de peau. Ça, c'est un accident. Et pour un coup, je suis pas prêt de l'aider.
fera encore une à vous faire découvrir. Et là, je suis passé deux fois à l'intérieur, on a vécu deux fois. Mais l'autre, elle n'était pas... Et elle poussait de trop. Je me suis arrêté de là, je la vois fermer, mais tout le monde m'en fout. Là, ça reste encore une course qui reste quand même encore assez simple, mais pas encore aussi hard. Ah, je me suis fait encore pisser à ce moment-là. Là, il est plus lourd que l'autre de tout à l'heure. Ah, j'ai réussi. Ou de la troisième fois. À le voir. Ah, il est là-bas. Ouh.
gaffe et peeling. Là, on est presque à la fin de la course. On y arrive. Voilà, là on arrive à la fin. Et voilà. Oh, ça va quasiment 11 minutes, ça va encore. Alors voilà, c'est la dernière course. Cette course-là, je l'ai trait hier matin. Donc elle est hyper récente. Et celle-là, elle a un boost.
musclé, il m'a ralenti, mais à mort. Ah, c'est vrai que tout à fait il avait raison. On peut passer à côté si on le veut. Je trouve qu'il a pas tort. Veuillez m'excuser. Ça, c'est agaçant, ça. Que ça arrive, que tu sois à ton point. Il y a trop pas calciné cette moto là. J'aurais pas dû mettre de musique d'ambiance. On va plus déchipiler. Là, ça se dit que la course là, elle est un peu plus compliquée. Hein. Thank you.
ça, c'est du vite-vite bien fait, ça. On est presque à la fin de la vidéo. Enfin, de la course, pardon. Mais oui, excusez. J'ai fourché. Et voilà.